Ah, en fait, on a que cette minute d'or. Ah oui, parce que non, c'est toi qui as aussi. Bonsoir. Le DGE est heureux de vous présenter la groupe encore avec Jean Rosay et Simon Meunier qui vont présenter pendant 45 minutes, une heure, le projet DAO et d'autres projets. Le projet DAO, donc, le rappel de lauréat de jeunes. Journaliste, voilà, c'est compliqué. Donc, n'hésitez pas à poser des questions après. Non. Bon, hein, on entend bien ou pas? Ouais, c'est bon? Ok. Merci en tout cas de nous inviter à présenter un peu notre travail là aujourd'hui, ce soir. Comment? Le bureau donc. Ah, ça passe pas. Ouais, souris. Ah si, c'est bon. Donc Concorde, on est un bureau d'architecture et d'urbanisme qui s'est fondé en gros en 2016. On a un peu. Ah ouais, faut pas qu'il y ait le truc là. C'est un peu bizarre. Donc je disais, donc fondé en 2016. On a un peu cette particularité-là, déjà, premièrement, c'est d'être un bureau qui est non seulement un bureau d'architecte, mais aussi un bureau d'urbaniste réellement, parce qu'on a un de nos associés, donc qui n'est pas là ce soir, qui va venir, c'est Nicolas Persin, et qui, lui, est urbaniste, il a une thèse à l'Université de la Sorbonne, quoi, et donc qui est urbaniste. Et là, ce soir, on va vous présenter un peu on va introduire cette lecture-là par un projet qui est le projet qu'on a fait à Plan DAO, qui est à l'origine un projet sur lequel on avait été lauréat pour Europan et qui était en fait, qui a créé un peu cette association entre nous. Et c'était là où on a eu l'idée d'associer nous, trois architectes, donc qui venaient d'ailleurs de nous, on a étudié, on était il n'y a pas si longtemps dans cet amphithéâtre. On a étudié à Versailles et de s'adjoindre la compétence d'un urbaniste, donc quelqu'un en fait qui est plus technique, qui comprend plus les mécanismes de fabrication de la ville, pour ne pas être juste des acteurs un peu simples un peu de la création architecturale, mais essayer d'être
à toutes les échelles un peu de la pensée de l'asile. Donc voilà, actuellement, on est en 2016, actuellement on est une grosse dizaine, on va dire, dans nos bureaux qui sont à Marseille. On a un petit bureau à Paris, mais pour l'instant, tous les employés veulent être à Marseille. Donc la majeure partie sont l'ensemble de l'équipe travaille à Marseille. Donc pourquoi on va vous présenter un peu ce projet qui se situe à Marseille, le projet du plan DAO. C'est donc un projet un peu processus qui a traversé un peu toute l'histoire du bureau et qui donc prend ses origines très proches un peu de ce que vous connaissez. C'est-à-dire que nous, on est diplômés en 2012-2013, on a un an de décalage, là, Simon et moi, de l'école d'architecture de Versailles. Et en 2013 aussi, on s'est arrêté, juste après nos études, on n'a pas tout de suite commencé à travailler. Et on a fait des concours pour se tester un petit peu et tester un peu notre capacité un peu à produire du projet en dehors de l'école. Et on a fait notamment le concours Europlan, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un concours pour les jeunes architectes avec une vision aussi un peu stratégique urbaine. Et dont on a été lauréat donc directement cette année-là. Et donc c'est lors de la constitution un peu de ce projet qu'on a décidé de s'adjoindre notamment la compétence de Nicolas et nous les trois autres associés, donc Adrien qui est pas là, Simon, Moisière et moi, et ben on a constitué un peu cette équipe de base. Et donc après, comment chacun quand même travaillait dans des agences après, mais après on a eu une étude urbaine sur ce site. Donc une vision un peu macro des choses. Puis après, en 2016, les choses se concrétisant, on a créé le bureau Concorde, après avoir fait cette étude urbaine sur le site de Plan DAO. Puis en 2018, on a fait des espaces publics temporaires. Puis après, en 2021, on a fait des vrais espaces publics définitifs. Et enfin, actuellement, là, on est en train de développer des logements sur ce site. Donc, on va vous les détailler un peu, toutes ces différentes étapes. Mais c'est pour vous dire que du coup, depuis notre diplôme 2012, eh bien, ce projet il nous a accompagnés jusqu'à maintenant parce qu'on est en train de faire ces logements. Donc ça, c'était le concours un peu initial donc, de jeunes diplômés. Donc, c'est un site qui se situe dans les quartiers nord de Marseille, que certains connaissent. C'est assez fameux. Il y a une image très forte. Et notamment, nous, notre site, c'est un grand ensemble qui a été démoli, qui a eu un grand programme de rénovation urbaine, et donc qui a été en grande partie démoli. Et nous, on est arrivé sur un site où il restait quasiment plus rien de site, et une grande friche. Mais il y avait des conditions comme ça qui étaient assez belles, qu'on a dessinées, avec un rapport en fait à la nature qui était hyper proche. En fait, c'était un grand ensemble qui était très proche en fait d'un couloir naturel qui pénètre un peu à l'intérieur de Marseille. Vraiment une qualité, nous, ça faisait 10 ans qu'on était à Paris, et puis on trouvait que c'était incroyable la capacité qu'avait cette ville de Marseille à faire vivre les gens, à pouvoir faire vivre les gens dehors, en fait, ce qui est beaucoup moins simple à Paris. C'est-à-dire que la vie dehors était extrêmement importante, et ça nous a un peu fascinés, quoi, et donc l'espace public était extrêmement important dans un endroit comme celui-là. Et enfin, c'est la troisième image, c'est ces confrontations et ces coexistences qui existent à Marseille, qui sont aussi très spécifiques, avec un mélange de grands ensembles, de nature quasiment sauvage et de petites maisons. Et ça, on a trouvé que c'était un peu les conditions de base, ce qui était très belle pour créer un peu ce projet. Ça, c'était la parcelle, ça, c'était le site initial proposé. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, ça, c'est un petit bout de bâtiment qui reste de l'ancien grand ensemble, qui était un grand ensemble un peu comme celui que vous voyez en bas, là, qui est la Bricarde. Et juste en bas, il y a Castellane, là, d'où vient Zidane. Donc, c'est vraiment genre les trois grands quartiers un peu emblématiques de Marseille, qui sont hyper connus parce que c'est à la fois, ils ont sorti plein de rappeurs, plein de choses comme ça et tout, mais à la fois aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de violence et de deals, tout ça dans ces quartiers-là. Donc, c'est un quartier qui a à la fois du coup, une forte identité, mais qui avait été en même temps à la fois complètement démoli, quoi. Et on avait un peu
et les programmes immobiliers qui se faisaient à cet endroit-là, tant l'image est un peu forte de ces endroits-là, c'était des espèces de gated community comme ça, un peu fermé avec de l'architecture très très générique. Et donc pour un peu avec cette aide aussi donc de Nicolas qui est notre urbaniste et qui connaît, et lui il avait fait une thèse sur le foncier, l'importance du foncier dans la pensée de urbaine. Et en effet, en fait, dans les grands ensembles, c'est quelque chose qui est assez frappant, c'est que si vous prenez un peu une ville normale, et ben le cadastre il transmet à peu près directement la morphologie du bâti au-dessus. Et dans les grands ensembles, ça n'a pas du tout été fait comme ça. Là, c'est notre site, vous voyez. Et donc, c'est le cadastre donc, de notre site. Et on voit que c'est quelque chose de complètement qui était très qui était très en foutoir, quoi, et qui aussi a créé en partie une raison des échecs de l'échec un peu de l'idéal du grand ensemble. Ici, c'est un autre exemple où en fait il y a même des parcelles de projets qui devaient avoir lieu mais qui n'ont pas eu lieu. Enfin, et ça a créé beaucoup de problèmes de gestion. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on s'est dit que c'était intéressant de d'abord partir de cette couche un peu invisible, mais qui est quand même une matière extrêmement forte pour nous, qui est le foncier. Là, c'est par exemple des exemples de villes qui sont extrêmement dessinées par leur foncier. C'est le Vésinet, donc, pas loin d'ici. C'est sur les anciens tracés de chasse royaux, quoi. Et ça dessine. En fait, la ville, elle est dessinée par comment les parcelles sont dessinées. Et on crée une richesse, une esthétique, une qualité de vie, ne serait-ce que déjà dans la séparation des lots. Ici, c'est un autre exemple, c'est à Avignon. Et c'est le foncier, vous voyez, donc c'est un foncier qui est avec plein de petites parcelles, parce que c'est des anciennes parcelles maraîchères, et qui dessine du coup des toutes petites parcelles qui ont été vendues au fur et à mesure, et qui dessine des petites maisons en bande, et qui crée aussi, pareil, une grande identité, une grande qualité. Mais c'est intéressant de se dire à quel moment nous, on arrive, on peut réfléchir sur ces questions-là. Et donc, la première chose qu'on a fait sur ce site, c'est dessiner une grande trame. Parce que le thème de Europon, c'était l'adaptabilité et la réversibilité des choses. Et donc, on a essayé de se dire, OK, comment on peut travailler à créer un foncier qui soit facilement mutable, donc qui ne définisse pas forcément ce qu'il y a au-dessus, mais qui permette qu'on se rachète facilement des petits bouts de parcelles, tout ça. Et donc, on a fait cette trame un peu cadastrale de 5 mètres par 5 mètres qui venait un peu habiller toute la parcelle et qui permettait que les gens comme un peu des pixels quoi se saisissent et puissent acheter un peu la forme spécifique qu'ils voulaient sur et pouvoir aussi se revendre selon les évolutions de la vie des bouts de terrain tout ça. Et donc on essayait de créer un sol comme ça qui soit un foncier qui soit facile à faire muter. Et donc voilà, après c'était comment on l'habitait donc cette trame cadastrale de 5 mètres par 5 mètres, qui est assez facile aussi comme trame constructive et hier. C'était un peu un schéma qui illustrait ça, que du coup, dans cette trame cadastrale, on pouvait y caler facilement des voitures, ou une voirie, des pergolas, des jardins, mais aussi des petites unités de vie, et comment ça pouvait évoluer aussi dans le temps. On était fascinés à l'époque par notamment à gauche, là, des projets un peu métabolistes, donc de maisons qui évoluent. Moi, elles peuvent évoluer dans le temps. Ou à droite, ça, c'est Grignan, les cabanons de Grignan, qui sont des structures comme ça, qui étaient sur pilotis, et puis qui, au fur et à mesure, ont eu des vies très différentes. Donc, ça, c'était un peu, par exemple, un truc original. Puis après, il y en a qui ont boucher certaines choses. Voilà, on avait envie de cette architecture qui soit très adaptable et qui permette que les gens ils puissent en prendre part et s'approprier un peu le logement et que le logement puisse aller accompagner un peu les rythmes de vie de chacun. Ça, c'était un peu l'image que ça donnait. Et enfin, la dernière réflexion foncière, c'est quelque chose qui maintenant est passé dans la loi, mais c'était la dissociation et qui permettait aussi un peu cette flexibilité, c'était de travailler sur une dissociation du foncier et du bâti. C'est-à-dire que quand on achète le bien qui est au-dessus, c'est un peu technique, hein, mais on achète juste sa maison, on n'achète pas le terrain, et c'est un système anti-spéculatif.
et qui permet que le terrain reste une notion de bien commun. Elle est gérée, c'est géré par un office foncier solidaire à l'époque. Ça s'appelait CLT, la Community Land Trust, un modèle qui a été inventé par Bernie Sanders, notamment. Enfin, voilà. Et donc, on avait un peu ces trois couches, un dessin de cadastre, des architectures qui étaient très adaptables et une dissociation du foncier et du bâti, qui créait un peu un projet un peu comme ça, métaboliste presque, un peu baroque comme ça sur le terrain. Donc, un projet un peu étudiant, très expérimental. Et en même temps, en parallèle, et c'est là où on a commencé un peu à définir notre manière de travailler, donc avec une partie comme ça expérimentale, et puis une autre de travail un peu de conditions assez précises, plus que d'architecture, c'est-à-dire de comment on peut faire advenir des conditions de vie. Et donc, on avait produit un peu ces trois collages à l'époque. C'est celui-là là, qui parlait un peu de, voilà, en fait, dans ces logements, on veut que ce soit possible d'être à l'extérieur et que ce soit un peu... C'est des quartiers très pauvres et que les gens, ils aient la capacité de bricoler, que ce soit un peu un jardin courette un peu active. Et donc, on avait un peu. Ça ne parle pas vraiment d'architecture, il y a des naissances d'architecture un peu autour, mais on parle surtout d'une condition de vie. Ici, il y avait un terrain de sport là, sur l'axonométrie, je vais passer un peu vite, mais. Et donc, ça, c'était plutôt. Donc, comment on donne la vue au public, on la garde la vue sur l'espace public, et donc on pareil cette condition un peu plutôt de comment juste voilà ce terrain de sport, il faut qu'il soit avec la vue principale parce qu'il y a une très très belle vue sur ce plateau, et après des qualités plutôt habitantes et puis après il y avait à l'époque il y avait un programme intergénérationnel. Et après, du coup, on a enchaîné donc toujours dans la timeline. On a eu une commande pour une étude urbaine sur laquelle on a précisé les choses. Notamment, on a aussi beaucoup mis en place, parce que c'était un concours qu'on avait fait très hors sol, quoi. C'est un concours jeune architecte, tout le monde peut y participer. Donc, on avait pensé ça un peu sans vraiment aller se plonger dans les choses. Et donc, on a fait tout un processus participatif avec les habitants du quartier, avec les différents acteurs, les bailleurs, tout ça dans le coin, pour définir un peu et préciser la programmation des lieux, et puis aussi qu'est-ce qu'il y avait déjà sur le site et comment on pouvait le valoriser et comment ça pouvait nourrir ce projet urbain. Donc c'était un peu préciser le plan qu'on avait fait initialement et en même temps le faire passer par un peu la question de l'habitant qui est le premier sachant en fait du site et qui avait déjà en fait une grande utilisation, même si le site était en friche, ils utilisaient déjà beaucoup beaucoup le site. Et après, du coup, on a nourri encore ce double dialogue, on s'en est servi encore pour nourrir un peu cette narration un peu et en continuant un peu ces idées d'atmosphère qui sont toujours pas de l'architecture ou toujours pas du dessin d'espace public, mais qui sont plutôt un petit récit sur le lieu, comme un peu une BD, et plutôt de quelles sont les atmosphères qu'on a senties et qui seraient bien pour ce site. Donc on avait continué à travailler donc sur des comme ça, un peu une série de petits collages. Voilà, ça avait plutôt des questions de vis-à-vis, de comment on vit ensemble, d'architecture un peu complexe aussi par rapport au site, parce qu'il y a beaucoup de vent, tout ça. D'espace commun, ça, par exemple, c'est ce qu'on avait défini un peu avec les gens, de vue. Et après, donc, dans le processus, on a... Donc après avoir fait donc cette période très étude urbaine et participative, on a travaillé donc sur on a eu la commande par un bailleur sur une parcelle au nord qui est sur le site quoi, qui est et de faire des espaces de jeu et temporaires. Comme on était encore un petit bureau et on ne voulait pas nous confier tout de suite un gros projet. Donc on a fait un peu ces espaces de jeu. Là, je vais peut-être te laisser aussi. Nous, ce qui nous plaisait bien dans cette histoire d'aire de jeu, c'était de déjà créer un peu une forme d'environnement ludique. Et puis en même temps, ça parlait déjà de presque de petite urbanité. Et en même temps, on se disait, pour un petit, on était jeunes, un petit bureau, c'est un exercice hyper stimulant.
et qui en plus reconvoquait l'histoire de l'ère de jeu des consensus. 70. Donc on s'inscrivait un peu dans cette histoire-là. Donc c'était pour nous vraiment une belle entrée dans le projet. Donc on nous demandait un aménagement. Donc après, c'est plutôt nous qui avons défini l'idée d'aire de jeu, mais on avait un tout petit budget, environ 400 000 euros sur une parcelle de 5-6 000 mètres carrés. Et si on faisait un peu un projet sur toute la parcelle, on était on avait un peu un doute sur l'effet escompté et sur la puissance du projet. Du coup, on a fait un peu un geste un peu simple, c'est qu'on a tout concentré dans une figure un peu simple. On a mis un peu l'argent là où on avait décidé. Du coup, voilà, on a créé une forme de périmètre, de petit salon. Urbain, qu'on avait appelé ça comme ça, et puis qui, comme ça aussi, résolvait aussi des questions de sécurité, d'intimité. Donc, c'était une forme de petit salon, mais hyper complexe, composé, où il y avait une espèce de domesticité qui pouvait apparaître. Donc, ça, c'était un peu une première axonométrie. Nous, ce qui nous plaisait, c'est de se dire, OK, c'est transitoire ou provisoire, c'était un peu les mots à l'époque, mais en fait, nous, on disait juste, on fait un truc, et si c'est vraiment bien, en fait, ça restera dans le temps, quoi. Ça, c'était le plan qui parlait justement des cheminements et d'une grande pièce un peu en rectangle où tout allait se passer, avec une chaînée au centre, en triangle, qui pouvait être une forme de paysage qui allait grandir et en même temps qui pouvait du coup exister dans le temps, et donc le côté provisoire, on commençait aussi à le réinterroger. Donc ça, c'était un peu le premier collage aussi qui parlait d'une forme d'ambiguïté, quoi. On ne sait pas trop ce que c'est peut-être un petit équipement, on voit un peu des gens ou des enfants dans derrière les filets, on sent qu'il y a un mur pour jouer au foot. Donc ça, c'était aussi une envie, à un moment donné, on fait exister cet espace-là de manière physique, pas juste avec un petit garde-corps qu'on voit dans les aires de jeu, avec des cabanes en plastique. Et, à un moment donné, en fait, le projet, il était dessiné. C'était les élévations, donc d'un coup, c'était presque une petite architecture. Donc, ça donnait ça. On jouait aussi avec quelques sujets végétaux qui étaient déjà présents. On avait convoqué la pierre aussi, parce que nous, ça nous paraissait encore une stratégie dans la réponse au transitoire, quoi. À un moment donné, en fait, on apporte une vraie qualité dans la durabilité, quoi. C'est que une pierre, à un moment donné, même si elle est cassée, taillée, c'est pas très grave, ça reste beau, ça apporte une forme de noblesse quand même à un espace qu'on n'avait pas vraiment, parce que c'était un parking, quoi. Donc là, on parle donc. Cette pierre, elle était en module, donc on pouvait après la déplacer si jamais les espaces publics ne se faisaient pas, et on pouvait les reprendre, ces éléments, ils n'étaient pas scellés pour la plupart, et du coup on pouvait les reprendre et les réutiliser ailleurs si jamais un projet advenait à cet endroit. Donc là on voit une espèce de relation aussi avec le paysage, avec l'intérieur, avec l'extérieur. Donc c'était les images de livraison. Donc là, les enfants qui jouent. Donc là, un gros travail de composition sur le sol, quoi, entre les jeux, le végétal, les sols techniques ou de sécurité. Donc là, notre mur en pierre, mais calpiné aussi de manière un peu différente, quoi. On n'est pas juste en train de faire une maison un peu banale, quoi. Voilà. Et ça, c'était il y a
y a peut-être un an ou deux. Donc là, on voit que le visage commence un peu à envahir ce salon. Ensuite, donc là, c'était le carré jaune que vous avez vu. Donc ensuite, on a eu une nouvelle commande donc d'aménagement, mais pour le coup, là, pas provisoire. Même si nous, finalement, ce carré jaune, on l'a jamais pensé comme ça. Qui devait, donc commandé par la ville de Marseille, la Solea, par son aménageur. Et donc, qui devait relier donc, le tissu, le noyau villageois de Saint-Antoine jusqu'à la Bricarde. Donc, on a eu donc, deux périmètres rouges. Donc, là aussi, avec un budget conséquent pour nous, parce que c'était un deuxième projet, on avait pas l'habitude de manipuler des chiffres comme ça, mais en même temps, avec une surface quand même importante. Donc, on s'est posé pas mal de questions sur ce que c'était un espace public à Marseille, parce que là, pour le coup, on n'était plus dans une figure un peu claire d'aire de jeu, avec un périmètre un peu bien défini. Là, on s'est intéressé quand même pas mal à la condition de vivre dehors à Marseille, de ce que c'est l'espace public marseillais. On est beaucoup sur presque de l'installation, avec un climat aussi particulier. On a la question de l'appropriation de l'espace, il est hyper présent à Marseille, proche de la mer, mais même sur notre site, on avait déjà des hamacs, des barbecues. Il y avait déjà plein d'habitudes qu'on avait vues. Donc, ça, c'était un peu un premier inventaire de photographes marseillais et de photos de nous aussi, qui parlaient un peu de tout ça, de vivre dehors. Donc, ça, c'était l'axonométrie du projet. Donc, vous voyez un peu, il y a une espèce de grand coteau qui existait déjà avec un paysage. Pas naturel, mais en tout cas pas travaillé. Là, vous voyez l'aire de jeu présenté précédemment. Et après, donc, là, on avait tout un travail là encore de composition. On demandait aussi un petit parking pour les habitants qu'on avait élaboré en concertation juste avant. Et donc après, on avait ici des jardins familiaux. Là, on avait un dénivelé à passer, donc on avait une question d'escalier qui se posait. Et voilà. La stratégie, ça a été plutôt de penser comme un archipel, quoi. Ça a été un peu comme pour le projet de l'aire de jeu, c'est de se dire à un moment donné, on n'a pas beaucoup d'argent et on va mettre l'argent à des endroits hyper précis. On a un peu élaboré cette stratégie d'archipel avec des îles, et Bouchakil possédait une forme d'usage, de conditions spécifiques par rapport à son endroit dans le site, par rapport à toute la programmation qu'on avait élaborée avec les habitants. Donc voilà, il y avait du sport, il y avait du ludique, il y avait l'île aux chênes, il y avait l'île Fontaine, toute une grammaire élaborée. Donc ça, c'était aussi des images qui nous venaient en tête en termes de coexistence entre justement les îles, ce que ça peut provoquer de mettre des activités les unes aux autres. C'est aussi un travail de composition, quoi, clairement. Enfin, le plan, il a été pensé comme ça, parce qu'à un moment donné, on a des vraies tailles d'îles, de sols différents, etc. Ça, c'était un peu notre glossaire d'îles. Donc ça, c'est le travail et qui revient un peu à l'inventaire que vous avez vu avant des photos des photographes. C'est comment on crée un récit qu'on essaye de maîtriser aussi, quoi. Enfin, à un moment donné, même si l'espace public il est approprié et appropriable, c'est aussi nous une manière aussi de nous rassurer dans la conception des choses dans un espace qui est assez grand. Et on n'est pas dans un projet où on fait un appartement, où on fait un bâtiment. Là, on est dans des questions de situation. Et donc, cette grille un peu de collage et de situation, elle nous permet de valider des stratégies de projet
sur un territoire plus ou moins grand. Bon, je vais pas décrire les collages, mais on voit un peu toutes les situations, toutes les îles en fait sont un peu à l'intérieur de ces collages. Donc ça c'est le stade de foot par exemple. Donc ça on l'a, du coup cet espace-là on l'a livré en 2020. Donc vous voyez donc le rapport à la mer quoi. Enfin c'est un peu des conditions avec enfin hyper belles. Donc ça c'était les photos de la livraison. Donc on reconvoque la pierre par exemple là en soubassement pour le stade. Donc pareil, on n'a pas fait juste le stade, enfin le stade. Il n'y a pas de tribune vraiment, mais voilà, c'est quand même un vrai terrain sportif, beaucoup plus grand qu'un petit stade qu'on peut voir un peu partout. On a une mise en œuvre de la clôture qui est calpinée. Donc là, on a un travail un peu précis de trame. Donc voilà, quand on regarde parfois les collages et les photos, des fois, c'est juste pour... Ça, c'était une première photo aussi de la livraison. Donc là, par exemple, il y a un mur de douche. On le voit à peine, mais il y a une douche dans le mur de pierre le plus haut. Donc, c'était aussi un peu cette idée du sport et puis de on vit dehors. Et, parce qu'il y a des douches à Marseille, on en voit partout, quoi, un peu à l'extérieur. Et après, il y avait aussi une masterpiece un peu au centre qui était la lune bleue. Qui était une idée quand même qui est venue assez vite. Parce qu'il fallait qu'on ait presque un objet très fort pour fédérer cet espace qui était un peu lâche. Donc là, on a vraiment un espace récréatif et qui reconvoquait aussi pas mal d'aires de jeu des années 60-70 au Japon, aux États-Unis et un peu en France. Donc ça, c'est un exercice hyper particulier, mais hyper satisfaisant, parce qu'après, on s'amusait à modeler à terraformer le sol, mais après, on voit les enfants. Ça devient en fait un grand paysage, un univers pour eux, et en fait, c'est hyper chouette de voir des enfants qui s'approprient ces espaces. Là, on a travaillé beaucoup la couleur avec... et des sculptures polymorphes avec des artistes de Sologne, non ? Ouais. Qui sont assez âgés maintenant, enfin, qui ont bien 80 ans, et qui ont beaucoup travaillé justement des aires de jeu dans les années 70-80, beaucoup dans des écoles en Ile-de-France, par exemple. Donc nous, on les a reconvoqués, on a été bosser avec eux dans leur ferme, enfin, ils ont un espace assez dingue chez eux, donc tout est en résine, ils font tout eux-mêmes. Donc ça, c'était des petits moutons, on les a appelés, quoi. Donc les enfants, ils jouent dessus. Là, les poteaux, ouais, les douches, donc ça, c'est un peu les mâts que vous voyez là, les mâts verts et mâts bleus. C'est l'été, d'un coup, ça devient un peu une aire de jeu, mais ouais, c'est pas une piscine, quoi, mais un peu avec une condition, un climat particulier, pardon. Ça, juste, c'était un peu aussi, quand on n'avait pas l'argent de faire des vrais jeux d'eau, quoi, comme il y a dans les miroirs d'eau à Bordeaux, je sais pas, ou à ce moment-là. Et du coup, on est allé voir les services de la ville, qui, eux, avaient en fait la compétence, parce qu'il y a beaucoup de plages à Marseille, d'entretenir des douches. Ils savaient le faire. Ce n'est pas très compliqué avec un compteur vert d'arrosage. Et du coup, on a mis ça, pourquoi ? Parce qu'il y a un problème d'accès à la mer dans ces quartiers-là, et qui permet en fait de que les gens puissent se rafraîchir et l'eau elle est redistribuée après dans les plantations autour. Donc c'est un peu comment on transforme un truc, toujours ces questions un peu de budget limité, comment la technique et le lieu ils renseignent sur un usage qu'on vient implanter à ce moment-là.
Donc ça, c'est pareil, encore les Simonets, les artistes qui ont travaillé. Donc là, c'est vu depuis la Lune Bleue, mais vers le premier espace, la première aire de jeu. Donc là, bah, vous voyez aussi les grands modules de pierre. Là, on travaille le sol et encore la pierre qui est au pied. Ça, c'est l'autre partie, donc avec l'escalier. Donc ça, c'était les photos d'avant, c'était un peu les photos de photographes professionnels, mais il y a plein de photos sur Instagram, parce que du coup, c'est devenu un peu un lieu, un vrai spot pour plein de gens, et puis pour des rappeurs, pour plein de groupes. Et finalement, on suit un peu une forme d'actualité du lieu, et ce qui nous fait plaisir, c'est de voir que le lieu, il est approprié, puis que d'un coup ça devient un peu ce qu'on imaginait, et que bah, il nous appartient plus vraiment, quoi. Et donc un peu le dernier point là, parlant de l'heure, ouais. C'est donc les logements un peu donc dans la dernière partie qu'on a développée. Sur les logements, donc, qu'on a, pareil, lors de la concertation, il y a eu beaucoup de gens en fait, qui étaient très attachés au quartier où ils vivaient, avec après les démolitions qui ont dû être déplacées. Et donc, a émergé le fait que la nécessité, par exemple, du projet initial, nous, qu'on avait fait très adaptable, tout ça, n'était pas tant la chose la plus importante, mais plutôt de créer du logement très peu cher pour que les gens qui étaient avant dans des logements sociaux à cet endroit-là, des logements sociaux qui ont été démolis, puisse retrouver un logement à ce endroit-là et vivre dans quand même dans une idée d'un logement avec plutôt un espace extérieur lié un peu à la spécificité et la qualité de vie spécifique à cet endroit-là. On a gardé par contre, donc, parce que vous avez vu, mais en gros, il y a des éléments qu'on a gardés du projet initial, le repas, je crois que le stade était resté au même endroit, on voit bien que c'est très en relation avec la vue, tout ça. Et là, ce qu'on a gardé, c'est la dissociation du foncier et du bâti. Entre-temps, on avait, donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était passé dans la loi française, et donc on a pu le faire. Et donc actuellement, on est en train de le développer. C'est un projet donc, qui est sur lequel on travaille avec une épure économique qui est assez tendue, mais sur lequel on a réussi à garder aussi pas mal de valeurs en réduisant au maximum l'emprise en fait de la voirie, en faisant une espèce de boucle simple et tout le reste du quartier et en piéton, quoi. Et on vient de déposer le permis de construire, donc c'est vraiment un permis en cours, mais à l'intérieur, on vient créer un peu un tissu avec, malgré des logements qui doivent être très très peu chers, avec des qualités quand même qui sont un peu spécifiques à cet endroit-là et des espaces extérieurs qui sont quand même, on réussit à avoir dans des coûts vraiment très bas des espaces extérieurs pour tous. D'avoir un projet où on compte un peu chaque boulon, quoi, mais où on essaie de tenir ses qualités de piéton et d'espace extérieur, ayant en plus des typologies de logements qui sont particulièrement grandes. C'est en gros, enfin, par rapport à du logement classique, en gros, c'est 20% un peu en plus de surface. Donc ça, c'est un peu où on en est donc, sur ce projet un peu de plan d'A, où vous voyez donc. Les choses avancent à la fois très très lentement, parce qu'on a gagné notre concours en 2013, alors on est 10 ans après. Et ben, voilà, on a fait des petits espaces publics, puis des plus gros espaces publics, puis maintenant on fait enfin un peu les logements, qui est le plus classique normalement de la forme à laquelle amène la formation d'architecte. Et donc voilà, c'est un peu donc tout ce processus de projet qu'on voulait vous montrer ce soir. Et après aussi comment il peut nourrir. Et ou comment il a nourri aussi d'autres projets au bureau qu'on a développé. On n'a pas du tout fait que ce projet au depuis bien pendant ces 6-7 ans d'agence là. Et donc mais après chacun à sa manière il reconvoque. C'était quand même un projet très formateur parce que tant sur la composition que sur la recherche sur le foncier que sur plein d'autres points. Et ben à chaque fois il nourrit un peu le travail de l'agence. Ici, par exemple, c'est le projet un peu d'une surélévation
d'un immeuble à Paris. Donc, c'est un moment où on a cherché à trouver comment on pouvait trouver d'autres systèmes fonciers qui soient intéressants, c'est-à-dire comment travailler avec des logiques foncières qui soient neutres, sans gaspiller, sans artificialiser du sol, sans prendre sur de nouveaux espaces. Et donc, on a travaillé avec un petit promoteur qui s'appelle Valerti et qui pour surélever comme ça, avec deux niveaux, enfin, entre deux niveaux et demi, trois, quoi, un petit logement qui est en face du parc Georges Brassens, là, à Paris, tout en ayant des qualités un peu fortes, quoi. Bon, ça, c'est des élévations. Voilà, là, on voit bien la différence. Ce qui est un peu particulier par rapport à quelques surélévations qui sont à Paris, c'est que généralement, c'est un bailleur quoi, qui fait ça et il possède l'ensemble du bâtiment. Là, pour l'instant, nous, il y a encore des gens qui habitent en dessous et on vient vraiment poser ces deux grands logements au-dessus de chez ces gens. Et ça permet aussi, c'était une copropriété qui était un peu fragile, qui n'était pas hyper à l'aise financièrement. Donc, le promoteur a racheté des droits à bâtir et permet aussi de rénover l'ensemble du bâtiment. Et donc, du coup, pour des gens qui n'avaient pas forcément l'argent de faire ça, et bien, ça leur fait déjà de l'argent. Et puis, en même temps, ça rénove leur logement. Donc, voilà, c'est trois niveaux comme ça qu'on rajoute. Donc, un niveau plutôt pièce à vivre, un niveau avec toutes les chambres, et puis un niveau un peu cuisine d'été et terrasse. Et là, c'est le chantier là, qui est en cours et qu'on a dû passer un peu des poteaux à travers, parce que le bâtiment ne portait pas tout à fait. Et là, c'est les poteaux qui arrivent pour traverser en fait, tous les paliers pour pouvoir après poser la surélévation dessus. Donc là, c'est les poteaux qui a traversé justement le truc et qui il y a comme un emporte-pièce, c'est un peu comme une maquette, quoi. On peut passer à travers le restaurant du rez-de-chaussée. C'est en train de. Donc, c'est en chantier. Donc, tout est fait en ossature bois, que ce soit pour des questions écologiques, bien sûr, auxquelles essayer de travailler au maximum en bois. Et en même temps, on a essayé de développer un maximum de surfaces vitrées pour avoir une grande qualité de vie. Et donc, avec là, ça, c'est les grandes baies vitrées du salon. Là, c'est l'escalier en cours de construction. Et voilà, c'est tout donc, cette qualité. Donc, c'est un matériau qui s'appelle le CLT, qui est donc des grands panneaux de bois et qui est tout préfabriqué avant. Et donc, du coup, on réduit le temps de chantier. La maquette, d'ailleurs, est visible actuellement au pavillon de l'Arsenal, si vous voulez voir à l'exposition réhabilité transformée. Ça, c'est un autre projet. C'est un projet c'est Enedis, donc les fournisseurs d'énergie. Et donc, c'est des bureaux et des espaces et des ateliers quoi, pour qu'ils bricolent leur film, tout ça, pour que tout le monde ait de l'électricité. Et en fait, c'est un projet qui était destiné à être sur une grande surface, comme sur une zone d'activité en bac à scier, là, un peu comme on voit partout. Le foncier était comme ça. Et puis nous, en fait, en travaillant les choses, en trouvant un terrain qui était un peu en pente, on a réussi à superposer les choses. Donc, c'est toujours cette réflexion sur la densité et le travail sur le foncier, à superposer donc l'espace de bureau qui est au-dessus, tout en leur donnant des terrasses, une qualité de vie, à l'espace d'atelier et en même temps, en jouant sur les différences de niveaux, à réussir à caler trois niveaux de parking silo. Voilà, c'est un peu les différentes composantes, donc le parking silo, les bureaux, le grand atelier, et puis après, ça, c'est un petit local de stockage extérieur sur lequel on a mis des panneaux solaires. Donc, c'est les plans un peu des bureaux. Donc, on a essayé de. On l'a dessiné un peu pendant le Covid, ce bureau. Et du coup, on a voulu qu'il y ait des relations très fortes avec l'extérieur et qu'il y ait une possibilité de travailler à l'extérieur ou d'ouvrir les fenêtres. Que les gens aient ce rapport à la nature, puis il y a une vue qui est hyper belle. Ça c'est pareil, toujours en construction, donc c'est en ossature bois. C'est là où on voit aussi une alliance entre le béton en bas, qui est pour les ateliers, parce qu'on avait des très grandes hauteurs, et la réflexion en gros sur quel matériau au bon endroit, quoi. Donc,
On avait cette contrainte technique en bas, donc on fait comme un grand socle en béton, et au-dessus, on nous a posé quelque chose de beaucoup plus léger, donc qui permet aussi de réduire les sections de béton en dessous, en bois pour les bureaux. Voilà. Ça, c'est un peu d'autres... Mais je vais peut-être te laisser les commenter, c'est un peu dans le... Parce qu'en fait, en tant qu'urbaniste, on travaille aussi sur des zones d'activité... Et la question aujourd'hui, c'est un peu quand on densifie des zones d'activité. Et donc, en tant qu'architecte, une fois qu'on intervient dans ces zones-là, évidemment, on ne fait pas des petites boîtes comme tout le monde. Donc, on avait une stratégie assez claire, c'était d'avoir un objet le plus compact possible, quoi. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, le garage, au-dessus, il y a les bureaux. Le parking silo, il est totalement collé à ces objets-là. Donc, on avait vraiment cette idée d'avoir l'objet le plus compact pour libérer le plus de sol naturel possible. Encore un petit espace public à Marseille, qui était du transitoire aussi, parce que pour le coup, après, les gens ils nous connaissent pour ça, donc on a des commandes qui arrivent. Dans un contexte un peu compliqué, c'est un métro aérien à Marseille, donc en sous-face, et sur une longueur qui fait 700 mètres de long. Et donc, on nous demandait d'activer la chose et de le rendre plus sécurisant. Bon, on a eu plein de sujets d'argent, etc., et d'ambition politique. Donc, le projet est devenu un peu... plus maigre, mais on vous montre quand même, il y avait tout un jeu sur la couleur, quoi, sur les piliers des ponts et le tablier, pardon. Donc c'était un peu pareil, un geste simple, mais un peu efficace, réalisable par des entreprises un peu... pas des artistes, quoi, un peu genre ceux qui font la peinture dans les parkings, quoi. Et c'était, voilà, ils avaient cette ambition-là parce que le quartier est en train de se transformer fortement. C'est un peu plus au sud que ce qu'on fait là à Vandal. Et c'est aussi un peu les quartiers nord et en pleine restructuration. Donc ils sont en train de mettre un peu des opérations comme ça pour montrer qu'il y a les choses qui sont en train de changer. Donc là, voilà, on a un gros travail de parfois de petits objets comme ça, mais qui changent un peu plein de choses, quoi, en termes d'accessibilité. Là, ça rejoignait une passerelle SNCF, mais qui était faisait 1 mètre de large. Donc d'un coup, on dessine un petit escalier. Donc c'est aussi ça, parfois notre travail, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'argent, tout le monde dit de toute façon ça va durer 2 ans, etc. Mais on donne l'énergie et tout est pour nous, tout est important, quoi. On a refait une forme de petite pièce parce que il y a la métro au-dessus, mais il y a la voiture qui passe en dessous. Donc on a fait une pièce un peu sécurisante pour un playground, quoi. Ça, il est mal sorti, mais on avait tout un jeu sur le sol. C'était un peu les confettis, quoi. Un travail de couleur encore. Donc ça, c'est un espace qu'on a livré l'été dernier et qui marche aussi bien, quoi. Ça, c'est un petit projet aussi assez complexe. On avait gagné en 2017 ou 2018, qui a mis aussi beaucoup de temps à sortir, mais là on est en chantier. Donc, qui est un parvis à Marignane, donc pas loin de Marseille, côté de l'aéroport. Et donc, c'est un centre culturel, et en fait, sa vraie rentrée a été mal positionnée. Et c'est plutôt sa sortie de secours que vous voyez là entre les deux bâtiments qui sert finalement d'entrée principale, mais qui n'est pas du tout adressée sur la rue et qui n'a aucune visibilité pour
pour les habitants de la ville. Donc le maire a voulu changer un peu cette sortie de secours en entrée. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on avait un bâtiment à droite, un peu années 90-2000, ouais, un peu sans consistance. À gauche, donc c'est les bureaux, mais avec un peu plus vieux, en pierre agrafée. Et puis, et nous, on vient se glisser à l'intérieur. Et donc, c'était pas évident parce qu'on peut pas vraiment recréer un bâtiment. On nous demandait parce que la nouvelle façade, mais pas non plus hors d'eau, hors d'air. Voilà, on s'est dit, bah, faut peut-être créer une forme de nouvelle géométrie. Qui en tout cas coexiste avec ces deux bâtiments un peu cubiques. Donc on a travaillé un peu, on a étudié un peu cette idée d'assemblage aussi un peu portique qui vient exister sur la rue et qui crée une façade sur la rue. Donc on voit aussi voilà toutes ces images là de la boule à couleur et puis parfois le travail un peu de dessin simple peut pas résoudre, mais en tout cas participer à une forme de visibilité pour un espace culturel. Ça, c'était les collages. Ça, bah, en fait, c'est un grand meuble, quoi, le projet, en métal. Donc, on a dessiné c'est précisément. Et c'est marrant parce que c'est pas un bâtiment, c'est pas vraiment une façade. Ça convoque aussi un peu l'imaginaire du cinéma et puis de voilà ces grandes entrées qu'on connaît quoi tous, lumineuses, etc. De cinéma. Et donc là aujourd'hui on est en chantier, on devrait livrer dans 3 semaines, 1 mois quoi. Donc là c'est pas fini, vous voyez. Il y a déjà tout le portique qui s'est mis le panneau au-dessus. Ça, c'est le derrière, qui était aussi important pour nous finalement, parce que c'est un peu tout ce qui est forme de trame structurelle, mais qui peut être finalement, parce que ça ne se voit pas, mais peut-être faut quand même passer du temps à bien dessiner. Quoi. Ça, c'est un autre projet. À Villeneuve, plutôt dans l'arrière-pays, qu'on vient de remporter. Donc là, on s'inscrit un peu dans justement aussi l'histoire de plan d'art, enfin dans les logements qu'on est en train de réaliser, quoi, dans cette densité assez importante, mais dans un tissu comme ça bas, qui veut créer des qualités pour chaque logement. Donc là, on a environ 65 logements de sociaux et de libres, un petit centre de santé que vous voyez ici, là, par exemple. Et il y avait une salle commune pour des logements seniors au centre. Donc l'idée, ça a été de créer une forme de cœur un peu calme, d'avoir une vraie qualité résidentielle en cœur d'îlot, mais comme plan d'art, à un moment donné, on a sa voiture, on se gare en début d'opération, de projet, et après on rentre dans une forme d'intimité un peu douce, un peu délicate. Donc ça, c'est tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez là au centre, c'est tout piéton, et là aussi, là, c'est tout piéton. Et on vient se protéger d'une départementale, donc on a un travail de paysage un peu en cordon, en fait. On a un peu trois éléments de paysage qui met à distance par rapport aux routes. Donc ça, c'était l'image du centre de santé avec la passette. Là, on est associé avec notre agence de Marseille qui s'appelle EGR. Donc ça, c'est une des typologies qu'on a élaborées
avec cette histoire de patio central qui crée aussi des intimités, parce que quand on crée de la densité, ben ça parle de rapport de bon voisinage, d'acoustique, de vue, etc. Donc là, on avait un peu cette idée aussi presque d'une petite courette intérieure, et puis d'un coup, c'est une pièce extérieure en plus, quoi. Dans le sud, en tout cas, c'est un élément un peu qu'on voit souvent. Donc ça, voilà, c'est un peu deux rectangles. Enfin, là, on a beaucoup plus de typologies, je ne sais plus combien on en a, mais là, c'est une des typologies qu'on présente. Mais on a un peu deux rectangles comme ça décalés qui créent des espaces vides, donc soit d'entrée, de terrasse ou de patio, avec le jardin au sud. Et ça, c'est un peu des maquettes. Le salon avec le patio, vous voyez au fond, la relation avec la terrasse. Donc là, c'est un travail à la fois d'architecte, mais à la base, le plan masse, c'est aussi une autre échelle. Donc il faut être agile dans ses manières de composer, quoi. C'est qu'on compose un grand plan comme ça, puis à la fin, on doit arriver à des plans, des espaces à vivre. Je ne sais pas où on est, mais je vais passer rapidement un peu sur les projets qui restent. C'est un projet qu'on a fait à Paris. C'est sur des logements avec une grande ambition écologique, sur lesquels du coup on a travaillé un système, donc toujours avec, en travaillant, donc une tripartisan, d'essayer de mettre un maximum d'éléments bas carbone, et puis aussi de trouver un peu à quel endroit on pouvait mettre la matière. Et donc on a beaucoup travaillé avec une ossature bois, donc il y a tous les murs et les planchers qui sont faits en bois, mais on voulait une grande hauteur sous plafond aussi, et donc les poteaux ils sont en béton, mais les poteaux étaient en béton, et ben on a fait en sorte de les calculer pour qu'ils portent à chaque fois, pour utiliser le moins de béton possible, c'est-à-dire qu'ils sont gros en bas, puis au fur et à mesure, ils s'affinent. Ils sont vraiment dimensionnés en fonction du poids qu'ils portent. Voilà. Et donc, c'est encore donc cette relation de comment on utilise la matière au bon endroit. C'est la coupe. Et après, un autre point qui nous paraissait assez important, c'était de travailler avec un plot comme ça, avec une forme un peu étrange. Un autre plot qui me paraissait important, donc ce qui est assez difficile dans le plot, c'est de loger un peu tout, et surtout d'avoir à chaque fois des salons en angle, et donc on a créé un peu cette typologie, une espèce de grande pièce en quinconce, comme ça, au milieu de l'appartement, qui est à la fois circulation et espace de vie, et avec autour des éléments un peu satellites qui chacun donne sur aussi un jardin d'hiver qui a été créé. Donc ça, c'est un peu encore la dualité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on dessine un peu techniquement les choses avec ses ambitions écologiques, ses ambitions spatiales, et puis après on raconte aussi donc toujours cette question du récit et de comment ça peut se passer, comment on peut imaginer que les gens vont s'approprier ces espaces. Donc ça, c'est aussi la série de collages. C'est aussi, on voit toute la qualité qu'on essaye de mettre, donc avec les salles de bain qui sont un peu en contact directement avec c'est des logements à Paris, là, à côté de Ground Control, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un grand parc qui donne directement sur le jardin d'hiver, et donc même les salles de bain, elles peuvent être là-dessus et avoir une vue un peu comme ça en deuxième rideau. Puis à chaque fois, comme ça, ces atmosphères avec cette paroi en double peau très efficace énergétiquement. Et en même temps, des espaces communs de partage là sur les terrasses qui permettent de un petit potager commun. Et ici, voilà, ça c'est la pièce en quinconce dont je parlais tout à l'heure, avec la vue sur. Il y a toujours cette question d'habitabilité et de récit par comme ça. Toujours, on travaille beaucoup avec beaucoup de ces petites représentations. Enfin, c'est peut-être le dernier projet qu'on va présenter. C'est des logements qu'on fait dans une commune du Luberon qui s'appelle Mont-Justin. C'est un tout petit village, je ne sais pas, il y a genre 30 habitants, quoi. Et le maire, c'est un village qui a eu un passé assez fort avec beaucoup d'artistes
notamment le photographe Henri Cartier-Bresson, mais aussi l'écrivain Jean Giono et pas mal des gens de sa famille, des peintres et tout, qui ont habité là. C'est un village qui était abandonné et qui a été refait, reconstruit dans les années 50 par tous ces gens-là, et qui maintenant, avec le vieillissement de la population, eh ben, il cherche un second souffle. Il y a un maire jeune, hein, qui est berger aussi, là, qui a genre, je sais pas, qui a 35 ans, quoi, et qui a décidé de créer des logements sociaux dans ce tout petit village. Donc c'est un challenge hyper compliqué, parce que c'est très rare, quoi, de créer des logements sociaux à cet endroit, et puis créer des maisons dans un si petit village comme ça, si emblématique aussi des Alpes-de-Haute-Provence. C'est un vrai défi, et c'est un vrai, en même temps, c'est hyper intéressant qu'ils veuillent garder de la jeunesse, et donc, vu que ça coûte très cher dans le coin, c'est un endroit assez touristique, et ben, s'ils veulent garder de la jeunesse, et ben, il faut que ça puisse passer par des logements sociaux. Et donc, on a fait tout un travail, toujours aussi, avec beaucoup de concertation. On a travaillé, je sais pas, c'est un projet sur lequel on a commencé à travailler il y a 3 ans et demi. Et on a énormément travaillé avec tous les habitants de ce petit village pour définir la taille précise et idoine des logements, le nombre. Voilà, donc ça, c'est un peu pour vous dire, c'est toute la partie un peu de concertation qu'on avait mis en place avec Planda, et on continue de la garder, et on l'a mis en place très fort à ce moment-là. Donc ça, c'est un peu un outil qu'on avait utilisé. On avait fait donc cette maquette où chacun pouvait placer un peu les choses, et puis après, on a fait un peu ce système de gabarit, un peu, c'est un système suisse, qui dessine en fait les angles des futures maisons pour vraiment les représenter à l'échelle 1 et pour que les gens se figurent l'espace, en fait, comment il va devenir. On avait aussi dessiné le cadastre au sol. Enfin, voilà, c'était comment on avance très doucement sur un projet comme ça qui est assez complexe et qui maintenant donne ça. Ça, c'est tout ce qui est en rouge, c'est ce qui va être construit. C'est une parcelle un peu libre. Et puis, ce qui est en bleu, c'est des endroits de la mairie qu'on transforme. Ici, il y avait la mairie et on l'a fait passer plutôt à cet endroit-là pour créer une petite place publique. Et puis, on transforme ça en logement. Et voilà. Donc on l'a transformé d'une commande de 2-3 logements. On a presque transformé ça en espèce de micro-projet urbain. En réouvrant, c'était un jardin à un presbytère, on réouvre le mur, on fait vraiment une place avec un endroit de convivialité, parce qu'il n'y avait pas vraiment de place. On réadresse la mairie à cet endroit-là et on vient redessiner un îlot en fait entièrement destiné au logement à cet endroit-là. On a aussi cette ambition, et on a été lauréat d'un prix qui s'appelle de la qualité du logement pour ça. C'est, comme c'est un petit village, les villages avant, ils étaient construits, il a une base romaine, je crois, ce village. Mais du coup, les villages avant, ils étaient construits qu'avec des matériaux très, très, très locaux, parce que les gens ne pouvaient pas beaucoup transporter des matériaux. Et donc, on a dit que tous ces logements, eh ben, ils seraient faits avec uniquement des matériaux qui sont faits dans un rayon maximum, une provenance maximum dans toutes les étapes de création de ce matériau dans un rayon de 100 km. Donc ça, on est en train de le travailler, et puis on est en train de justement redessiner avec les habitants, mais aussi avec des artisans, quelle va être la matérialité de ces choses. Et on a déjà commencé à créer cette petite histoire là. On en est un peu à ce stade là, à dessiner un peu les choses qu'elles pourraient avoir comme visage, comme adressage, et comment on peut trouver un peu ces alliances entre ces matériaux locaux et puis la création un peu de ces logements dans ce petit village. Et je pense qu'on va peut-être passer, ça c'est une exposition qu'on avait fait sur l'eau ici à Versailles, à la première biennale. C'est une recherche, c'est une thème avec tout un... Mais je pense qu'on peut passer vite, parce que je pense qu'on a dépassé déjà un peu le temps. Alors, avec le collage, tout ça. Une exposition. On y reviendra si vous voulez la question. Peut-être que conclure sur. Non, mais ça, c'est une capture juste de notre site, mais qui parle aussi justement un peu des vis-à-vis qu'on. Et de la relation de nos projets, de ce qu'on essaye de mettre en place dans différents projets, dans différentes tailles de projets, dans différents territoires, dans différentes natures de maîtrise d'ouvrage, de clients, etc. Donc c'est un peu, enfin qu'on voit un peu ça, c'est,
Ça a donné, en fait, le rapport aussi de bon voisinage entre des images. C'est ce qui peut créer aussi une nouvelle lecture des choses et aussi une nouvelle manière de. Parce que si on prend chaque projet à l'agence, bah, peut-être qu'on ne voit pas trop ce que ça peut fabriquer. Mais en même temps, il y a plein. Enfin, tout ça, c'est que des images de projets, soit réalisés, soit en cours, soit arrêtés. Mais pour nous, c'est aussi important. À un moment donné, en fait, tout ça discute. Entre eux et ça montre aussi le travail de l'agence quoi. C'est comme un peu un grand atlas, une espèce de plateforme comme ça ouverte où on discute et on n'a pas de choses préconçues quoi. Et ça c'est un peu notre portrait d'agence hein, c'est bête mais finalement c'est un peu cette grande table où on pose les choses et on se balade et les choses discutent entre elles. Donc ça, c'était un peu cette référence de collectionneur, collectionneur et historien d'art qui avait inventé une forme de classification, qui avait créé un atlas et qui faisait justement discuter les œuvres entre elles et qui, par accident ou par volonté, en tout cas, par bon voisinage, pouvait... créer une nouvelle histoire, une nouvelle visibilité, une nouvelle manière de voir l'histoire de l'art. Ça, c'était un peu des images qu'on avait aussi très vite aimées, même post-Europan, quoi, ce rapport de bon voisinage entre les choses et de coexistence, quoi. Puis ça, c'est pour finir, c'est juste un collage très vu, un des premiers collages qu'on avait fait pour une expo à Milan, justement qui parlait déjà du balnéaire et puis de la coexistence entre un environnement et des choses bâties. Et puis ça, c'est un des derniers là pour un petit concours d'un cabanon dans le sud de la France qu'on a malheureusement perdu. Mais voilà. En 6 ans, on voit aussi qu'il y a une forme de continuité de notre travail. Et ces deux petites images, elles parlent aussi de ça. Voilà, merci. Ah, il y a des questions, ouais. Je prends le micro. Je sais pas si ça marche. Ah, c'est quoi, c'est cela? Allô? Oui, une question un peu spécifique sur la présentation sur le dernier projet pour rapport à la concertation par la presse, vous avez invité à la concertation sur le projet de l'identité. Ça m'intéresserait de savoir quelle importance il y a eu, voilà. Et qui a été interrogé. Alors, c'est la concertation en général, c'est un vaste sujet sur lequel on a beaucoup travaillé au bureau, parce que c'est assez compliqué de solliciter les gens sur l'ensemble d'un projet architectural, parce qu'il y a plein de données économiques, techniques que les gens ne maîtrisent pas, et donc c'est souvent aussi un piège de des fois leur faire croire qu'ils ont un pouvoir de décision, alors qu'ils n'en ont pas. Nous, on a toujours essayé de trouver des systèmes qui soient plutôt du travail en amont sur l'architecture et sur la définition programmatique notamment avec les gens qui sont des sujets sur lesquels les gens peuvent avoir vraiment un vrai pouvoir d'action et de volonté
Et donc, dans tous les projets, on essaie de travailler plutôt sur une manière programmatique en termes de participation. Et donc, dans celui-là, et volumétrique là, mais donc dans celui-là, alors c'est une commune qui est très particulière, c'est-à-dire qu'ils ont un maire, mais en fait, il y a 40 habitants et il y en a 21 qui sont ses adjoints, donc ils ont déjà un processus démocratique et hyper. Et tous discutent et tout est très lent et très. Et c'est à la fois passionnant et à la fois ça fait donc pour sortir 3 logements et ça fait 5 ans qu'on y est quoi. Et donc dès le début en fait on a fait que de discuter avec tous ces gens-là, avec tous les gens du. Le mode de travail c'est d'aller sur place et d'échanger avec les gens du village pour d'abord définir le nombre de logements, puis comment les gens allaient stationner, parce que c'était une grosse problème, puis la volumétrie, les hauteurs, tout ça, c'est ce qu'on a donc modélisé en 3 dimensions là, avec ces panneaux. Puis après, ils voulaient des pièces en commun, des pièces qui servent pour la commune. Enfin, voilà. Toute cette phase-là a fait l'objet d'un grand processus très participatif et extrêmement démocratique, parce que du coup on est vraiment dans ce cadre-là avec la mairie qui fait tout voter, tout ça. Et maintenant on va arriver dans un processus qui va l'être un petit peu moins, parce que justement on arrive plus dans ce côté technique, dans ce côté de choix des matériaux, de recensement des artisans de la région. Donc c'est plutôt une sorte de concertation là, mais qu'on mène, mais plutôt avec les carrières du coin, avec les menuisiers, les ébénistes, les tailleurs de pierre de la région. Et c'est plutôt avec eux là qui viennent nourrir le projet et qui viennent en modifier la forme. Mais parce que la question là, elle est plus technique, parce que maintenant on a figé avec les habitants la programmation, l'implantation et la volumétrie des choses. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Vous avez fait un 5e de surface en plus pour le même prix. Oh, c'est ça. Sur les logements sur les logements à Marseille, là, oui. Ouais, okay. C'est pas un 5e, mais oui, j'avais dit, c'est en gros sur les grosses typologies, c'est 20%, et sur les petites, c'est un peu moins. Et du coup, quel processus vous avez employé pour faire ça moins cher? C'est que en fait on a travaillé beaucoup les matériaux, et puis surtout après en fait le plan masse et la compacité des choses, c'est-à-dire que si on revient au plan masse, si vous voulez, ce qui coûte cher dans l'espace, alors c'est un peu compliqué à dire comme ça, mais c'est une pièce qui a 4 murs, ben, chacun et un toit, et ben, chacun de ces murs il coûte de l'argent. Et donc, quand on mutualise, à partir du moment où on mutualise un mur, eh ben, c'est autant d'argent en moins. Donc, on a beaucoup travaillé à créer un peu des alliances entre les logements pour qu'ils partagent un maximum de murs et qu'ils soient le plus compact possible. En fait, le plan, si vous voulez. Voilà. Sur ce plan masse, en fait, la maison, par exemple, elle est en L là, donc elle partage en fait ce mur et ce mur et ce mur avec une autre maison. Donc en fait, on ne paye que, bon, ça c'est un petit apprenti, quoi, mais on ne paye presque que cette façade-là. Et donc ça réduit énormément le coût du logement. Et là, ici, on a fait des logements qui sont assez profonds, avec des grandes baies vitrées, quoi, et qui permettent donc de mutualiser un long mur dans des maisons en bande comme ça, notamment. Et puis après, sur les matériaux aussi, on est très. On était très à l'économie. Quoi. Bonsoir. Dans votre présentation, vous avez à plusieurs reprises parlé du budget. Ma question, c'est comment vous faites en tant que jeune architecte, comment vous avez fait en jeune architecte à la sortie de vos études, gérer l'arrivée de la question du budget dans la manière de faire projet, et de qui on s'en fout, comment on fait pour que le budget et la question économique ne donne pas juste une source de frustration, mais plutôt une dynamique pour penser à chaque fois et questionner le programme.
Ben, en fait, après, c'est, je sais pas, je pense que c'est une volonté. Bon, très vite, en fait, quand on monte une agence d'architecture, ce que j'espère vous allez tous faire, c'est assez vite, on commence toujours par des projets qui sont plutôt petits, plutôt privés. Et donc, il y a tout de suite des questions de budget qui sont très fortes dans les petits projets. Nous, on ne vous a pas montré, mais on a fait des dizaines d'appartements, des petites maisons, des choses comme ça. Et ça, c'était déjà en fait une première approche où on a commencé à travailler cette stratégie de un peu dont on parlait sur ce projet, de réfléchir quand on a l'argent, de ne pas faire une grande surface un peu où on répartit partout également l'argent, mais où on choisit des endroits très précis où on va mettre de l'argent et d'autres qu'on va laisser beaucoup plus neutres et beaucoup plus sains. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a testé donc à petite échelle sur des petits éléments. Et après, on a toujours trouvé que c'était un peu de toute manière une manière de... Même quand on a plus d'argent, eh ben, on a toujours cette question de la priorisation de où on met plus d'argent qu'à un autre endroit, parce que ça nous paraît être toujours quand même un moteur de projet qui est extrêmement intéressant. C'est une bonne dynamique de projet de partir et puis de se dire « Ok, ça, on va le tenir à fond ». Ça, c'est un truc hyper important. Et ça, on va mettre les moyens pour tenir. Et puis après, il y a d'autres endroits où ben, on peut être un petit peu plus simple, un peu plus générique. Voilà. C'est un peu ce qu'on expliquait avec cet archipel donc, de qu'on avait qualifié d'île. C'est-à-dire qu'entre ces îles, elles concentrent en fait les programmes et donc aussi la grande partie du budget. Et autour, en fait, c'est ça. Et autour, les espaces, ben, ils sont traités très simplement, soit laissés naturels, soit avec des revêtements, mais avec une qualité qui est très absorbante pour l'eau, tout ça. Quoi. Ils sont très simples quoi, autour. Et donc, en fait, ça devient le moteur du projet. Quoi. Je sais pas comment. Et donc, c'est jamais vraiment frustrant. Enfin, si, des fois, ça peut l'être quand il y a vraiment trop peu d'argent, mais et puis à ce moment-là, des fois, on n'hésite pas à dire que c'est pas possible. Mais c'est pas frustrant parce qu'en fait c'est cette contrainte là aussi qui crée l'idée du projet et tout meilleur on va dans un monde où on est censé faire attention à toutes ces questions économiques là et tout meilleur de frugalité en généralement de ressources tout ça et donc comment on concentre l'idée de la concentration des moyens nous semble être un des leviers extrêmement forts et une idée extrêmement précieuse actuellement dans le dessin de l'architecture. Et pour compléter, par exemple, là, ce que vous voyez en pierre, nous, la question, c'était de dire, est-ce qu'on met un mobilier catalogue qui coûte aussi cher et qui ne va pas transcender tout l'espace public ? Parce qu'à un moment donné, l'espace public il est grand et il faut le transcender, quoi. Donc nous, on s'est dit, ok, on va pas acheter un petit banc en métal, un peu chic, mais un peu cher. On s'est dit, bah, la pierre, c'est un élément intéressant, surtout il y a 5-6 ans. Quoi, mais, donc on a été visiter une carrière de pierre. Les gens ils nous ont dit, bah, en fait, le bloc le plus économique, c'est un bloc qui est sorti brut de sillage, de carrière, donc c'est un bloc de 20 par 45 par 50. Et donc, bah, nous, ça tombait bien, parce qu'une hauteur d'assise, c'était 50 cm. Et donc, en fait, avec cette stratégie-là, on a pu faire peut-être 800 ou 900 mètres linéaires de pierre. Donc, parfois, c'est un muret, parfois, c'est un banc, enfin, une banquette, parfois, c'est le soubassement du stade, etc. Et du coup, il y a une forme de projet, enfin, on aurait pu vous montrer juste le plan de la pierre sur tout le projet, mais en fait, c'est d'un coup, ça vient tout habiter, quoi. Et là, bah, c'était une stratégie, quoi, de se dire, bon, bah, on aurait pu faire un autre choix, quoi. Mais bon, on a appelé des carrières, on a été visiter les carrières, et ça, c'est pas nos. Parce que dans une équipe, il y a des techniciens, des bureaux d'études BRD. Mais ça, ils n'en savent rien, quoi. Donc, c'était à nous d'aller chercher les infos
Et en plus, c'était nos premiers projets. Donc, on bricolait un peu, mais en même temps, on avait des intuitions fortes, quoi. Donc voilà, c'est un peu la curiosité de votre futur métier aussi, quoi. Il faut aller chercher les infos là où elles sont. Parce qu'il fait beau et chaud. Non mais c'est vrai, c'est juste un peu simple, c'est que il y a un climat quand même qui est très beaucoup plus favorable qu'à Paris. Et deux, du coup, il y a des cultures il y a une culture de l'espace public et de l'occupation de l'espace public qui est beaucoup plus forte qu'à Paris. C'est intéressant, parce que avant qu'on fasse même le projet, donc c'était une énorme friche l'endroit où on était. Et des fois, le soir, il y avait un groupe de 40 femmes là, du quartier qui sortaient leurs chaises et qui allumaient un feu au milieu de nulle part et qui au milieu de cette friche et qui discutaient pendant toute la soirée. Et pareil, il y avait des gens qui avaient tendu des hamacs entre les pins là, qui étaient là, tout le temps des barbecues qui se faisaient sur cet espace. Donc nous, on a vachement accompagné ces dynamiques-là. Et après, voilà, je pense que c'est très possible aussi. Il y a quand même une vie très forte, surtout dans les quartiers populaires, même en Île-de-France, c'est pas du tout impossible à Paris. C'est juste qu'à Marseille, cette culture-là, elle est évidente et elle est partout. Et je pense qu'elle peut se trouver largement à Paris. Mais voilà, après, tout de suite, c'est trois jours après l'ouverture, il y avait des tournois de foot organisés sur le terrain de foot. Il y avait des clips, il y avait plein de rappeurs qui venaient faire leurs clips à cet endroit-là. Donc ça ramenait plein de monde, ça faisait des grandes fêtes le soir. Et l'inauguration du maillot de l'OM s'était fait là-bas, parce que d'un coup, c'est un endroit qui vit et qui. Et il y a eu vraiment une culture aussi, parce qu'il y a beaucoup d'immigration nord-africaine et africaine, et qui ont aussi une autre culture complètement de l'espace public, quoi, et de véritable monde de vie et d'appropriation de cet espace. Voilà, c'est tout le temps. Enfin, voilà, en deux minutes, ils mettent un barbecue, et puis ça devient. Il y en a eu 100, quoi, des barbecues depuis qu'on l'a livré. Et ça devient une fête, quoi, un truc un peu de. Souvent le samedi, l'été, ben c'est comme ça, quoi. Parce qu'il y a un tournoi de foot, il y a une occupation de l'espace public qui est assez particulière à Marseille. Voilà. Il peut être très foutoir dans le centre-ville et qui peut des fois avoir ses défauts aussi, mais en tout cas, on ne peut pas nier une vraie présence des gens et une appropriation des gens de l'espace public. Merci. Alors, il y a des. C'est un endroit qui économiquement et en même temps, j'essaie de le retrouver. Bon, c'est un endroit qui est lié à, qui est en fait pas très très loin d'une assez grosse ville qui s'appelle Manosque. Donc où il y a de l'emploi et qui est le support aussi de tout ce qui est plutôt l'enseignement secondaire.
Et donc, il y a la structure. Il y a plein de villages en fait, qui vivent avec des enfants et des gens hein, dans le coin. Après, c'est des modèles qui sont encore très dépendants de la voiture. C'est pour ça qu'il y a eu un gros sujet d'ailleurs sur la voiture. Mais après, les gens aussi, c'est une partie du Luberon qui est aussi habitée de plein de gens qui sont très un peu décroissants, tout ça. Donc, du coup, il y a beaucoup de dynamique. Juste dans ce petit village, par exemple, de 40 personnes. Je l'ai pas précisé, mais ils ont un bar associatif. Ils brassent leur propre bière dans le truc. Donc ils font plein de choses, quoi. Et tout l'été, il y a des festivals dans l'ancienne église de musique. C'est un endroit qui est quand même très très actif par rapport à plein de campagnes qui sont très un peu on va dire juste du logement, quoi, un peu monofonctionnel, quoi. Voilà. Donc c'est des choses, mais les gens quand même travaillent, voilà, comme je vous disais, le maire il a 35 ans et c'est pas exactement les mêmes métiers, mais lui il est berger. Voilà. Oui, non, en tout cas il y a une forte demande des jeunes pour venir habiter là, ils n'ont pas de problème du tout pour remplir les logements. Il y a d'autres questions? Non. Merci. Merci. You're welcome.